On a placé à la fois RK et Kanoé. Mais notre prod, copier-coller. Mais genre, sans le tag. Ouais, 3 millions de vues, il avait buzzé sur TikTok. Ouais, il avait 10 millions sur Spotify. Juste la prod, il l'a vendu 5000 balles. Ouais. Et on a perdu un disque d'or, on a perdu de la thune. Si la vidéo tape 8000 likes, je strike. Hey mec, salut, ça va? Ça va et toi? T'as pas vu ton bob aujourd'hui? Non, mais le tien, il est pas mal. Merci. J'aime bien. Oh les, il est par contre il est pas très stable. C'est expérimental encore. Mm-hmm. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh. Salut. Eh tout bien, le monde. Bonsoir à tous. Merci pour merci beaucoup pour les retours. Merci sur la. Merci pour les 3000 likes. Pour la dernière vidéo qui a bien marché et surtout pour les 3000 likes. Ouais. Et aussi à 3000 likes, je fais la prochaine vidéo sans mon bob. Ce qui va nous permettre d'observer sa jolie calve. Donc la prochaine étape, c'est les 10 000 likes. La vidéo... Oui, pour le clip. La vidéo Fiverr, un clip du son qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Merci, ça fait plaisir. La prochaine vidéo, ça sera la partie 2, je crois. La prochaine, c'est la partie 2. Je vais pas lâcher un like sur celle-là aussi, donc tiens, comme ça... allez. Aujourd'hui, encore une fois, vidéo particulière, c'est la dernière fois que je le dis vraiment. C'est tellement pas la dernière fois qu'on le dit. Moi, je me promets de plus jamais le dire. Vidéo particulière. Mais une tarte. Aujourd'hui, ça va être un peu en mode juste chill, just chatting. On va discuter. Entre nous à la bonne franquette. Bon, voilà, on va vous parler de notre vie de et surtout de nos placements. Question qui intéresse beaucoup les. Bah oui, parce qu'on nous pose souvent la question. La population, quoi. C'est quoi votre plus gros placement? Et du coup, on va vous parler de la première prod, on va dire, dont on a envie de vous parler aujourd'hui parce qu'elle a une histoire assez incroyable. Assez incroyable. Elle est passée de main en main, elle a buzzé sur, bouche en bouche. Sur la toile du webnet. Du coup, bah, cette prod, c'est notre propre drive. En fait, cette prod est passée sur la chaîne de InstruRap, Big Up InstruRap, qui est un pote à nous. Big Up! La prod est passée sur sa chaîne et elle a grave marché. Elle a fait, je suis allé check tout à l'heure, elle avait fait 1 400 000 vues. Donc, on peut dire qu'on a fait le million, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux dire que t'as fait le million? Grosse merde. Mais du coup, cette prod a très bien marché. Quand tu tapais InstruRap sur YouTube, bah, tu avais cette vidéo qui tombait assez haut dans les résultats. Donc ça fait que bah, elle a pas mal tourné dans les freestyles de soirée, machin, déjà principalement. Elle est passée à des trucs du genre les couvre-feux, de Au Calme Radio, au Planète Rap de Skyrock. Full up dans le quartier, pilote au karting, sur ton parapluie, voyou t'as qu'à le dire. Eh, on s'en fout de ton avis, c'est les grands des grands qui l'a amené ta gadjir. On peut dire que avec cette prod Drive, on a placé à la fois RK et Kanoé. Et on a fait percer Kanoé, les amis. Sachez que la vidéo. Met au téléphone qui l'a fait percer. Salut Madaro, en plusieurs étapes comme avec un dos au fond du bus avec mon bigo, j'écris des textes sans prise en silo. Bah c'est notre prod et on a touché plein d'argent avec ça, c'était trop bien. Zéro. Voilà. Du coup, donc cette prod là, dans la vidéo de Kanoé, dans le freestyle couvre-feu de RK qui a bien pété aussi à l'époque, cette prod aussi a été volée par un certain rappeur plutôt connu. On le dira pas pour des raisons de... d'image. Mais en gros, c'est un rappeur donc connu qui était venu vers nous pour la prod. Sauf qu'elle était déjà vendue. Du coup, on lui a dit non, tu peux pas l'utiliser. Elle est déjà vendue en exclusivité à un autre rappeur et du coup, tu peux pas. Mais si tu veux, on t'en refait une un peu dans le même genre qui et, tout, colle et tout. Au bout de quelques jours, il nous a dit en fait, c'est bon. Ouais, j'ai trouvé une autre prod. J'ai trouvé une autre prod, pas de soucis. Tant pis, à la prochaine. Voilà, quelques temps plus tard, j'allais sur la vidéo du coup d'InstruRap Drive. Et je regarde les commentaires et je fais tiens, mais ça, c'est. Ouais. C'est la prod de... Il y a tout le monde qui dit, oh mais c'est la prod de... C'est la prod de ce mec. Du coup, on va check le morceau en question. Oui. Et là, que voit-on? Et là, déjà un truc, il devait avoir 300K. Donc il y avait eu 400 000 vues en quelques jours, ce qui est pas dégueu. Et du coup, c'était notre prod copié-collé. Mais genre, sans le tag et avec des petites... Et en nul. Il avait pas coupé les basses fréquences. Hein. Le mix était horrible. C'était dégueulasse. C'était la même chose en moins bien. Quelqu'un a reprod notre prod pour ce rappeur. Et du coup, moi, ça, j'avais pas fait encore la liaison. Le gars qui nous avait demandé la prod et ça. Et du coup, je suis allé check sur Insta et j'ai vu les DM. Avec le rappeur qui parlait de cette prod là et qui nous disait oh non c'est bon t'inquiète j'ai trouvé une autre prod. J'ai trouvé une autre prod. Et en fait le mec a payé un beatmaker pour qu'il refasse la prod et pour qu'il puisse poser dessus. Voilà. Face à ça, nous qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit bon. Comme hop ça là. Bon bah nous on a quand même une chaîne avec genre 6000 abonnés tu vois. Donc on a on pèse de la notoriété. Un peu, on pèse un peu. Le strike large. Du coup on la strike. Et on a fait tomber sa vidéo. Et elle a été supprimée de YouTube. Et voilà. Du coup nous on était contents. On était contents. Content là. On a été contacté par son manager. Par son manager qui a dit oh mais qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup on lui a raconté un peu l'histoire et après il nous a dit ah ben si vous voulez refaites une prod on la mettra à la place et tout, on vous mentionnera machin. J'ai fait une prod en 3/4 d'heure qui était au final quasiment la même. Ouais. Du coup le morceau a été remplacé avec cette nouvelle prod là. Qui est moins bien aussi d'ailleurs. Et du coup le rappeur a bien ragé. Moi j'étais content. Du coup, Et ensuite on lui a envoyé un message parce que le manager nous avait dit ouais mais du coup si vous avez des prods envoyez une palette puis je ferai écouter. Du coup on lui a envoyé et au bout de quelques temps pas de réponse donc on se dit bon vas-y on va le relancer.
et on lui dit ouais du coup salut mec, t'as pu écouter les prods vite fait. Il a répondu juste ouais. Et je crois que toi t'as répondu MDR. Nice. Hop. Pour résumer, la même prod a servi à faire percer Canoë au freestyle couvre-feu de RK au moment où il était en train d'exploser, et à ce mec que je mentionnerai pas. Et après, en plus de ça, elle est passée dans je sais pas combien de Skyrock, de Planet Rap. Du coup, force au beatmaker, vous laissez pas faire par ces enculés de rappeurs qui volent les prods et qui mentionnent pas. Ça, c'est vraiment la pire chose. On est pas mal, du coup, vous verrez aussi par la suite militant dans ce genre pour cette cause. Donc, force. Force à vous. Par où on commence? Ça concerne la prod Pesos, Pesos qui est dispo sur YouTube. Date de fin ouais. 2017. Cette prod, c'est un sample de trucs de un bossa peu nova, bossa ouais. nova machin de Pink Martini pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'avais fait cette prod il y a longtemps. Et un jour, la prod se fait striker sur YouTube, comme ouais, ça. Comme on ça, sans raison. Pas, on sait pas d'où ça sort. On voit que c'est de Youngboy, Youngboy Records. Voilà, déjà. Après ça, on reçoit un petit mail qui nous dit bonjour, en anglais le mail. Nous sommes Youngboy Records, nous représentons Pink Martini. Youngboy Records, déjà pour un groupe ouais. de bossa nova, tu vois, j'y crois moyen. C'était un peu chelou, ouais. C'est un peu space. Sachant qu'en plus, c'était full faute dans le mail. Il nous disait on veut pas que le sample soit utilisé parce que on les représente de droit, ouais, les raisons de droit, vous avez pas le droit de prendre le sample, etc. Du coup ils ont strike la vidéo. Et en principe, si c'était vrai, si c'était vraiment les gens qui représentaient Pink Martini, on aurait pas grand chose à dire. Et sauf que ce mec qui est vraiment très très malin, il a utilisé le nom de sa chaîne pour ça, et sur sa chaîne il y avait notre prod ouais, volé. En re-upload en mode Youngboy Records Pesos, tu vois. Ouais, Pesos, il avait appelé Pesos. Bah là pour le coup c'était juste un mec qui avait volé la prod et qui l'avait re-upload. Ouais, on s'est dit bon, s'est dit, bon ouais, juste, c'est un débile. De toute façon mais... il a fait 100 vues, ouais, c'est pas grave. Sauf que quelques semaines ou mois plus tard, on reçoit un DM d'un mec néo-zélandais Spell. Ou australien, Spell. Big up à Spell qui ne parle ouais, pas gros français. Gros big up à Spell. Fuck up. Et qui nous dit ouais salut, j'étais en train de chercher qui avait fait l'instru d'un son qui a bien marché en Australie là. Et on m'a dit deux noms, le tien et le nom d'un autre mec. Donc est-ce que tu peux prouver que toi t'as fait la prod? Déjà nous on ouais, s'est dit ça. Attends quoi c'est chelou quand même. Attends quoi, c'est quoi ce bail? C'est quoi ce message là? Donc on va check et là le truc avait genre 3 millions de vues. Ouais, 3 millions de vues, il avait buzzé sur TikTok. Ouais, il avait 10 millions sur Spotify. 10 millions sur Spotify. Oh, pull up in the German. Your crew look nervous. Your gang came from the circus. You will never ever make no earnings. Donc bon, un petit succès. Et ensuite bah, on a commencé un peu à... Il nous posait des questions pour voir bah, si c'était vraiment nous, genre comment le prouver. Du coup on lui a envoyé le FLP et ouais, On lui a tout montré et... On a fait comparer les dates d'upload de notre vidéo ouais, et de la vidéo de Youngboy. De Youngboy, le fameux. Parce qu'en fait ouais, c'était pas con au final. Ce qu'il a fait. Et oui, parce qu'en fait du coup c'était donc ce mec là qui nous avait volé la prod, qui l'avait donc placé à ses rappeurs australiens. Comme il avait volé la prod pour être en sécurité, il s'était dit bon mais je vais aller strike leur prod en faisant genre que je suis le label et que c'est moi qui suis propriétaire des droits du truc, tu vois. Du coup il nous a strike. Spell faisait son enquête sur la prod, tout ça, et donc il en est arrivé à la conclusion que c'était nous ouais. qui avions fait la prod. Il a réussi à, par sa notoriété en Australie, à le faire savoir aux rappeurs en question. Donc on a été contacté par les rappeurs, par le manager, tout ça, et ils s'en sont suivis un petit procès quand même. Il y a eu un procès. Le man a quand même vendu ouais. la prod. Il a pris 5000 balles. Il a vendu mais juste le cachet de la prod, c'est-à-dire sans les droits qu'il a dû toucher sur le morceau après. Juste la prod, il l'a vendu 5000 balles. Tu te rappelles combien on a touché là sur l'histoire à peu près? Ah, en zéro fortune. Ouais. Ah oui, voilà, c'était ça, 0 euros. Ah, ouais. Zéro, oui. Donc, encore une fois, on a perdu beaucoup de thunes là-dessus. Ouais. Et on a perdu un disque d'or, on a perdu de la thune. Ça fait plaisir. Ouais, et le mec a déclaré faillite, et du coup, il a pas remboursé. Et on est baisé. Il est vraiment débile. Ouais. Mais de toute façon, on vous mettra les liens de tous les sons dans la description. Et ceux qui arrivent, parce que ça serait trop beau si ça s'arrêtait là. Ah oui, mais ça serait que là, trop facile. Les emmerdes. Troisième ouais. son. Ouais. Comme ça. Pour ceux qui connaissent cette prod là. Shizuka. On a fait une prod Shizuka. Avec qui un est, sample Naruto. Qui est ouais, un sample Naruto. Truc de merde là. Prod, ouais, bah il y a pareil, 10017 je crois. Qui a bien marché sur le. Qui a bien marché, elle a presque 200k je crois. Le truc c'est qu'avant nous on donnait les FLP parce qu'on voulait donner un mode pour aider les gens, pour capter comment on faisait les choses. On faisait les prods, on donnait les FLP et. Comme ça pouvait, bah les gens ils pouvaient regarder comment chaque truc avait été fait, etc. Sauf que vous allez nous dire, mais vous êtes con ou quoi de faire ça?
Et on va vous dire ouais. Oui. Oui. Bah parce qu'on pensait que les gens c'était pas tous des fils de pute. Mais en fait si. Mais en fait si, la musique, si, ouais. La musique, faut savoir que c'est 70% de gros enculés de merde. Ouais, environ. Le... Stat vérifié. Stat... Si. Du coup ouais, on donnait FLP et du coup les gens pouvaient modifier tout ce qu'ils voulaient, garder ce qu'ils voulaient, changer machin. Et souvent ils changeaient pas grand chose. Juste nous volaient la prod, ils la remettaient voilà. Et après. Et hop, t'enlèves le tag de Albac, tu mets le tien et voilà, t'as fait un banger. Donc ouais, le mec a envoyé la prod Naruto machin à Titov. Titov a fait un son dessus, je crois que le son à 500k, un truc. Ouais, un truc. Donc Titov, pour ceux qui connaissent, enfin je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent parce que maintenant il a bien percé, je crois, mais à l'époque c'était quand il commençait un peu à avoir son perçage, c'est comme ça qu'on dit. Je crois. Bah là, pareil. Hein. Bah pareil, hein, de toute façon, il y a un peu un thème qui revient, on se fait niquer dans le cul, ouais, bien, en général. Bien dans le cul. Niqué dans le cul. On a vu ça et on a dit ouais. C'est à nous. C'est à nous un peu. Donc ouais, en général on laissait un commentaire. Oui, hey, ça c'est pas ta prod. Le mec il dit je m'en bats les couilles, ta gueule. T'es qu'un beatmaker, t'es une merde. Ouais. Soit les beatmakers c'est tous des salopes. Oui, je crois. Qu'on se le dise. Ouais, je pense. Bah là pour le coup c'était le manager. Ouais, c'était son manager qui nous avait contacté. Il nous avait filé 250 balles pour qu'on ferme notre gueule et ça s'arrêtait là quoi. Yo. Du coup, petit aparté là, je suis en train de faire le montage. Enfin, on est le 15 mars, il est 14h, la vidéo sort dans 4h. Je suis en train de faire ça un petit peu à la dernière minute, hein, comme d'hab. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et j'en suis à la partie où on parle de Titov, où on dit qu'il nous avait filé 200 euros pour qu'on ferme notre gueule, qu'il nous mettait notre blase dans la description, etc. Et je suis venu pour prendre un screen un peu de la vidéo, pour le rajouter. Et qu'est-ce que je viens de voir? Qui est-ce qui a fait l'instru? C'est FlyM. C'est pas Albac. Du coup, ce que je vous propose, vu que ça se fout un peu de notre gueule, c'est que si la vidéo tape 8000 likes, je strike. Voilà. Mais après ça, c'était au tout début, genre, quand on commençait, et qu'on était un peu des... Genre, il y avait 200 balles carrées, c'était... Et du coup, on était contents. Ouais, alors que maintenant, 200 balles, c'est... Il nous avait dit, bah écoute, je vous mets votre blase dans la description et voilà. Prenez 250 balles. Et... les beatmakers qui débutent, ne vous prostituez pas. Et si on te demande, ouais frérot, l'exclu, je te l'achète à 30 balles, ça te va, pas de soucis. Pas de soucis, la parce que une prod, ça vaut pas 30 balles. C'est du taf, tu passes pas forcément 1000 heures sur une prod, mais pour en arriver au niveau dans lequel tu... Ouais, voilà, c'est ton expérience que tu fais payer, tu vois. Si tu débutes, forcément, tu vas pas mettre des prix de ouf, mais il faut se respecter un minimum, tu vois. Respecter son taf et surtout ton poste de beatmaker, tu vois. Sinon on se fait vachement marcher dessus quand même, je pense, dans le milieu. Grosse dédicace à InstruRap d'ailleurs, qui est une chaîne qui réposte beaucoup de beatmakers et qui est vachement militante là-dedans. Ça tue. Je crois ils ont fait un groupe Insta et une page Insta qui s'appelle Armée de beatmakers, je crois. Donc si vous avez des problèmes de prod volée et tout, n'hésitez pas à les contacter, tout ça. Ils vont toucher plus, ils ont une armée comme ils l'ont appelé. Ils envoient des raids sur les vidéos et tout pour... Ah ouais. Ouais. Du coup voilà, il faut s'unir dans cette merde. Et les rappeurs qui regardent la vidéo, respectez-nous, s'il vous plaît. Là, tu l'as convaincu, là. Non, mais genre, voilà, tu vois, une prod, c'est du taf, c'est de la passion, c'est beaucoup de choses. Et ça se prend pas comme ça, comme si tu ramassais une pièce de 2 euros dans la rue. Non, enfin bref, vous avez capté un peu le sens de cette vidéo. On voulait vous raconter un peu ce qui nous était arrivé là-dessus et parler de ce phénomène-là qui est vachement présent dans le rap, dans la musique. Le vol de prod, c'est quand même... voilà, je pense qu'on est un peu aussi les premiers, d'ailleurs, à faire une vidéo là-dessus et à en parler vraiment, tu vois. D'ailleurs, j'invite tous les autres beatmakers, youtubeurs à partager la vidéo parce que c'est important. Et si vous le faites pas, ben vous êtes autant des salopes que les rappeurs qui volent les prods. Mais ouais, voilà, mais c'est un sujet important et faut que ça change, tu vois. Faut que les deux soient mis au même c'est ça. J'ai on est rappeur beatmaker, je pense, à mon avis, qu'on est au même niveau. Après, il y en a plein qui veulent rester dans l'ombre et tout. Je respecte de ouf, tu vois. Mais c'est juste, voilà, respecter l'artiste qui a derrière la prod, tu vois. Ouais, si tu payes pas et que même si la prod était gratuite, au moins mentionne le nom du mec. Il y a quelqu'un qui est derrière ça, tu vois. Voilà, bah sur ce, ça cloue. Du coup, on espère que la vidéo vous a plu. Même si elle était un peu différente d'habitude, il n'y a pas eu de composition. Bah, j'espère que ça vous a intéressé et que c'était pour faire valoir un peu cette cause-là. Donc, force aux beatmakers. Partagez ça. J'imagine que vous, si vous êtes beatmaker, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, donc partagez. Vous vous faire marcher dessus. Message important, partagez. Si ça peut lancer un mouvement, permet d'augmenter un peu le respect des gens envers les beatmakers et notre image au sein de la musique, ça peut être cool. En plus, j'ai fait la vidéo sans le Bob. J'avoue. Je compte sur votre soutien parce que c'était très difficile. Là, vous le voyez, là. Ouais. Ici même, il y a pas grand chose. Il y a une piscine municipale. J'aperçois même
petit twang qui joue dans la pâte aux joueurs. On espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, hop là. Voilà, partagez, likez mes couilles. On se dit à la prochaine pour le deuxième épisode de Fiverr. De Fiverr, où on paye des rappeurs pour qu'ils posent sur notre prod. Je vous laisse d'ailleurs aussi me laisser dans les commentaires le style sur lequel vous voulez qu'on fasse. Quel style vous voulez, si vous avez des rappeurs US, FR, américains, Suisse, belge, autrichien, espagnol, serbe. Quel style vous voulez, tout ça, vas-y. Même si vous avez des noms de mecs que vous connaissez sur Fiverr qui rappent bien, envoyez-nous, tu vois. Et on va se refaire une petite vidéo tranquillou. Et ça va être pépouze, quoi. Et notre image au sein de la musique. Et on se dit à vendredi pour le live. Et ouais, vendredi pour le live. Qu'est-ce qu'on va faire pour le live? Je ne sais pas. Et ce sera la surprise. Même nous, on sera surpris. Voilà, ben on vous fait des gros bisous. Et à plus. Ciao.